coucher. Marie, qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas aller te coucher, tu vas à la morgue. Elle peut pas y aller habillée comme ça. Ouais, je vais me coucher avec ça. Ça et 24 à casser le cerf dans la chambre d'amis. Non, dans la chambre d'amis. Bah oui, parce que c'est trop dur pour elle d'aller se coucher dans un lit où elle a été si souvent heureuse avec Yvon. C'est Yvon qui a décidé de partir, pas moi. Et le jour de son anniversaire en plus. Parce que c'était son anniversaire aujourd'hui. Oui, il y a des jours comme ça où c'est pas facile de partir, croyez-moi. Vous ne répondez pas? C'est une erreur. Bah, comment pouvez-vous le savoir? À l'oreille. C'est la sonnerie de quelqu'un qui se trompe, ça, c'est bien. Allô? Quoi? Soviet Ballet? Ah ben non, c'est un faux numéro. Bah, vous aviez raison. J'ai été accordeur au PTT dans ma jeunesse. Bien. Si vous alliez préparer ce grog pendant que je rhabille Madame Lemoine. D'accord, mais faudra peut-être se dépêcher. Attendez, inspecteur. Avec tout le respect que je vous dois, là, il nous faut du temps. On ne peut pas tout bousculer comme ça, nous sommes face à un drame humain. Enfin, nous sommes des petits êtres fragiles, confrontés au grand mystère de la mort qui nous laisse abasourdis sur le rivage en deuil. En deuil. Oui, je comprends. Ouais. Vous voulez que j'appelle un médecin? Ah non, merci, là, c'est complet, là. Allez, Marie, on y va! Yvon! Ah, Yvon! Yvon est à la morgue de Saint-Maur! Oui, bah Yvon a bien de la chance, hein! Ça, je peux te le dire! Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a que je me sens pas avec ton copain! Pourquoi? Il refuse l'héritage, peut-être? Ah non, au contraire! C'est même la première fois que je vois quelqu'un qui négocie sa part! Négocie? Oui? Oh, bah là, en ce moment, ça bloque à 200 000, hein! 200 000? Ah oui, il veut 100 000, là! Vous la fermez à propos de Fredo, Maurice, Bruno et les autres! Oh merde, il reste! 50 000 par tête! Pour oublier nos saloperies sous la couverture! 50 000 par personne, alors c'est immonde! Et puis d'abord, dis-donc, il n'y a aucune raison que je paye pour toi! Hein? Hé! Hey, oh, attends! Jacques! Marie s'est barricadée dans la salle de bain! Oh, bah, là autre chose! Elle a mis France Musique Limpo, je m'entends même plus hurler! Ah, bah, t'as de la chance! Dis-donc, tu ne vas pas la fermer ta grande gueule, toi? Qu'est-ce qu'il a encore fait? Ton conneau de Marie vient de balancer aux flics combien il y avait dans la serviette! Alors avant, il était presque en entrée de 20 briques de plus, maintenant il veut 10% du global! Ah, je suis désolé! Tu peux! Je vais recommencer une nouvelle vie, moi. Ça continue, j'aurai même plus de quoi acheter du sarrasin pour les crêpes. Ah, remarque. Si on réfléchit bien, c'est raisonnable, hein. Bon, 60 briques, et ben, tout est compris. Les 10 de base, ton décès brutal, et nos attouchements sous la couverture. Vos attouchements? Mais t'occupe pas de ça, c'est pas ton problème. Oui, Marie? Elle s'est enfermée dans la salle de bain avec Pavarotti. On supporte pas l'opéra. Eh ben, elle supporte pas l'alcool non plus. Bon, allez, on se débarrasse d'abord de l'escroc.